Corsigru, plus vite, plus vite! Tu ne vas jamais y arriver à temps! Bravo, Zoé, ça se voit que tu as grandi avec des chevaux. Oh, si vous saviez tous les tours que j'ai fait de manège sur les chevaux de bois. Merci, Bob. Tu as eu une brillante idée pour rattraper mes chevaux. J'espère que tu auras une autre brillante idée pour finir les écuries avant la tombée de la nuit. Ce n'est pas compliqué, il faut juste travailler dur et recommencer à zéro. On finira les écuries même si on doit y passer la nuit. Oh, Ben... Désolée, je n'ai pas été à la hauteur. Les travaux seraient déjà terminés si je n'avais pas fait peur aux chevaux. Un vrai cow-boy n'aurait jamais fait ça. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour réparer mes bêtises. Voici le programme. Zoé et Coxigru, vous restez ici avec moi pour reconstruire les écuries. Léo, toi, tu retournes au garage avec Scoop et Ben. Comme ça, vous, au moins, vous pourrez dormir. Contrairement à mes pauvres chevaux, ils ont beaucoup galopé et ils n'ont même pas d'endroit où dormir. Demain, c'est sûr, ils seront trop fatigués pour participer à la course. Pas d'endroit où dormir. Attends, Bob. Alors, d'accord? Non, Sardine, ce n'est pas pour toi. Bonne nuit, Ben. Fais de beaux rêves, passe une bonne nuit. Mets ton frein à main, tu n'auras pas d'ennui. Oh. Merci d'avoir laissé vos box pour la nuit. Tu avais raison, Léo. Nos box sont comme les box des chevaux dans les écuries, juste plus grands. Ça tombe bien. 3 box pour 3 chevaux fatigués, 3 sauts d'avoine et 3 sauts d'eau. J'ai vraiment l'impression d'être un cow-boy maintenant. Oui. On va dormir tous les 3 à la belle étoile. Comme dans les westerns américains. Bien joué, cow-boy, bravo. C'est chouette de dormir à la belle étoile. Il ne nous manque qu'un bon feu de bois.